Voilà, donc je vais commencer le stream sur Resident Evil 2. Claire, scénario B. Et je remercie Geekordaï, du coup, qui m'a déjà donné cette sauvegarde. Parce que hier, pour ceux qui n'étaient pas là, d'ailleurs c'était avant-hier, j'ai fait le jeu non sans quelques difficultés au départ. Mais une fois rentré dans le commissariat, du coup, enfin, c'est vrai que j'ai eu du mal jusqu'au commissariat, mais du coup maintenant je suis un spécialiste pour rusher jusqu'au commissariat. Après, ça a été un. J'ai été jusqu'à la fin du jeu sans souci. Je suis mort une seule fois de manière vraiment malheureuse dans le laboratoire parce que j'étais épuisé, mais normalement j'aurais pas dû mourir évidemment. Nous y voilà donc. Et on va se lancer ça. Ça démarre direct. In the midst of the T-virus outbreak in Raccoon City, Leon Kennedy succeeded in escaping from the city following his encounter with one of the only other survivors, a woman named Ada, a spy seeking the deadly Alors, T-virus. j'espère que, bon, a priori, soit la cinématique ne fonctionne pas, je me rappelle pas qu'il y avait juste une voix off. Non, c'était ça, ok. Ok, d'accord, ils ont juste pas fait de cinématique, ou alors c'est juste que... C'était Michael Gordon, l'artiste que je vous ai fait écouter. Alors je fais un petit brief. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Au dernier stream, on avait fait le scénar A avec Léon. Donc du coup, Léon, il arrive, il est flic normalement. Enfin, il est flic tout court, il arrive parce que c'est un petit nouveau, tout le monde s'est fait décimer, c'est Raccoon City, hein. Il y a eu des expériences scientifiques qui ont mal tourné comme d'habitude. Donc des zombies, c'est la catastrophe, et lui, il essaie de s'enfuir. Il y a Claire aussi qui vient, mais qui, elle, recherche son frère Chris, qui est donc le héros du premier opus, le charismatique héros du premier opus. Et donc Claire et Léon ne se connaissent pas, mais se rencontrent au début du jeu. Et il y a un accident, on va laisser la cinématique, hein, pour l'immersion. Et donc il y a, c'est assez bien pensé d'ailleurs pour l'époque. Cinématique quasiment photoréaliste à l'époque, hein. C'est sûr que là, elle pique peut-être un peu les yeux. Mais déjà, c'est très bien rythmé. Regardez les valeurs de plan, les mouvements de caméra, c'est assez fluide. Il faut imaginer que nous, quand nous étions ados à l'époque, ça a produit sur nous un effet photoréaliste. C'était un film, on n'en revenait pas. On se disait, mais comment c'est possible qu'il y ait de telles séquences de jeu? Donc on était vraiment époustouflés, ça a produit un effet incroyable. Donc, bon départ. Et on va découvrir nos deux protagonistes, qui du coup ne sont pas Chris et Jill. Toutes ces phrases cultes. Alors désolé, j'ai pas mis la version en français, parce que dans la version en français, vous avez les voix en anglais et c'est sous-titré en français. Et t'as quelques-unes de ces phrases cultes, genre Why you bite me, pourquoi il m'a mordu, tout ça, mais. Je vais pas passer mon temps à traduire. Et donc, ce qui est intéressant en termes de narration, c'est que dans un Resident en général, quel que soit le personnage qu'on prend, le gameplay est légèrement altéré, mais globalement, l'histoire est la même. Et dans celui-ci, c'est le cas. Du moins, c'est ce qu'on croit au début. Et quand on finit le jeu une première fois, si on fait le scénar B avec l'autre personnage, en fait, on va voir l'histoire qui complète le scénar A qu'on a fait. Donc si on a fait, comme moi j'ai fait, le scénar A avec Léon, et ben là, du coup, en prenant Claire, on voit ce qu'elle a fait pendant que nous, on jouait, du coup, la première aventure. On joue l'autre personnage et on comprend où elle était quand on est à la radio, pourquoi il s'est passé telle ou telle chose. Et surtout, la cinématique du départ la suit aussi. C'était une petite originalité, il y a un sujet qui est bien spécifique dans chaque cinématique. Et ça, le fait du coup de découvrir le scénar B, au début on se dit tiens, ça va être un peu de choses près la même chose, et en fait il est un plus dur et surtout il est beaucoup plus riche. Il se complète parfaitement, donc en termes de narration il est vraiment intéressant, même si pas mal de gens ont reproché à juste titre que le second opus était quand même beaucoup plus orienté action. C'est pas forcément déplaisant quand on y rejoue, mais disons qu'il est quand même beaucoup plus musclé que dans le 1. Le 1, on voit un zombie toutes les 3 salles, là c'est 3 zombies par salle en moyenne, c'est-à-dire que ça envoie du gros pâté. Bon, si vous n'avez pas joué, ça va un peu vous spoiler le scénar B. Mais bon, là j'imagine que la plupart d'entre vous y avez joué. Moi je suis content, alors ça va vous paraître très curieux, mais à l'époque, quand le jeu est sorti, j'étais entre guillemets un speedrunner du jeu, même si le terme n'existait pas. Il n'y avait pas de speedrun, il n'y avait pas de speedrunner. Il y avait des gens qui jouaient bien, mais le concept n'existait pas. Enfin, le mot n'existait pas pour désigner la pratique. Du coup, on était quelques-uns comme ça à jouer bien et à faire des temps. Moi je sais plus, j'ai peut-être fait 1h15 à l'époque.
Mais les standards, déjà les temps de l'époque n'étaient pas les temps de maintenant, parce qu'il n'y avait pas internet pour communiquer les savoirs des uns et les savoirs des autres, donc on ne pouvait pas vraiment se transmettre les techniques, et surtout on pouvait difficilement mesurer sa performance avec celle d'un autre. On avait juste genre un temps affiché dans un magazine, et la solidité, on va dire, de la preuve était faible, c'était juste un petit screenshot, quoi, enfin, un screenshot, une photo de l'écran. Vous imaginez bien que c'était pas énorme, et du coup on voyait un temps et on savait pas comment les mecs avaient fait. Donc là je laisse volontairement la cinématique pour l'immersion et pour ceux qui la connaissent pas, hein. Parce que moi c'est le premier input qui compte, je lance le chrono en fait pour mon speedrun après la première cinématique. Et j'espère ne pas être trollé, évidemment, comme hier. J'ai fait un début catastrophique, rappelez-vous, et là maintenant j'ai le jeu en main et il n'y a pas moyen que ça se passe comme hier. Il y a également un OB dans celui-ci, mais il arrive également très très tard. Rappelez-vous, un... Ah, saleté. Alors, faut déjà s'y faire. Alors, faut se remettre la maniabilité résidente. Il y a toujours un petit temps... Oh putain, ça commence mal, mais dégage! Attends. Voilà. Non, je devrais pas avoir autant de mal qu'hier, parce que... Hier, j'avais eu un mal, mais de chien, un truc de fou, quoi. Putain, je me rappelle pas du début du scénar B. Bon, on va regarder ce qu'il y a là. Non. Ah si, il y a une cabine qui... Ok. Non, ils peuvent venir là, ces salauds. Ah, moi je veux des armes, des chargeurs. Bon, il s'évite facilement. Le début du scénar B a l'air quand même beaucoup plus simple. Allez. Un petit peu de kitting. Je l'esquive. Voilà. Voilà, nickel. Et on arrive là direct. Alors, je rappelle, pour que vous ne posiez pas la question... Je ne joue pas avec Safe State, parce que mon speedrun ne serait pas legit. Par contre, comme j'ai un bug de sauvegarde, du coup, ce que je fais, c'est que je fais des Safe State quand je suis à côté d'une imprimante. D'une machine à écrire, pardon. Donc, je le fais de ce pas. Normalement, il n'y a pas de souci. C'était cela pour sauvegarder. Voilà. Et mine de rien, c'est un jeu quand même. Ils ont compris... Ça m'a foutu les boules. Il y a une petite esthétique du silence. Ça pousse, c'est pas poussé aussi loin que dans Silent Hill, mais quand même vous remarquerez que pour créer l'absence de musique, comme on en parle d'ailleurs dans la conférence jeux vidéo et musique faite au Stunfest, l'absence de musique génère une tension énorme. Il n'y a pas nécessairement besoin de musique. Le fait qu'il y ait de la musique constamment et d'un coup le fait de l'enlever, ça crée une tension assez monstrueuse. Bon bah parfait, hein, pour l'instant, c'est un sans faute. Ah, saleté. Ah, putain, j'ai eu peur. Bon là, ça va. J'ai eu peur. Alors là, le fameux... Et là, on va comprendre, oui, il y a des cinématiques spécifiques. Le fameux, forcément, il y a un hélico. Surtout au début, c'est forcément un hélico qui va se crasher. Ou un hélico qui se barre et qu'il va falloir retrouver, même. Salut, Gabi. Alors, nous y voilà. Début assez simple. Alors, il va falloir aller chercher le volant. Bon, la grosse difficulté du scénar B, hormis le fait que je ne m'en rappelle pas bien, ce qui peut être surprenant par rapport aux propos que j'ai tenus il y a 10 minutes, c'est-à-dire qu'effectivement, je speedrunnais le jeu à l'époque, mais c'était il y a 14 ans,
15 ans, 98, donc ça fait 10, 12, 16 ans, mon Dieu. J'ai un autre argument pour utiliser les safe stats à côté des machines. À côté des machines, des machines, ça rend le truc legit. Et c'est plus rapide que les machines. c'est voilà, rien que pour ça. Les safe stats, c'est juste mieux. Alors normalement, si je me rappelle bien, je sais que le tyran sang, on le voit un moment ici, mais je sais plus si c'est là qu'il arrive la première fois. Ne me spoilez pas pour... S'il vous plaît. Surtout pour qu'on se... C'est... Ah mais putain, mais c'est pas normal ça. Ah mais saleté. Mais saleté, putain. Barre-toi. Ah putain, mais ils font trop mal. Putain, les vilains corbeaux quoi. Il y a des frames de drop à ça. Je vais aller regarder ça. J'ai 32. Ouais, c'est ça. Je réfléchis parce qu'en fait, je connais jamais mon âge. Donc, quand on me le demande, j'ai peur de me tromper. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein? Il y a des frames de drop. Alors, qu'est-ce que ça peut être que ces frames de drop? Ouais, là, je... A priori, je peux pas faire grand-chose pour vous, malheureusement. Ok. Bah non, je vois pas. Il y a... Mais non, je... Non, on a juste une connexion en mousse, hein. Faut... On a une connexion en mousse, je suis vraiment désolé. Et voilà, caution, déjà. Putain, c'est pas vrai. Je me suis fait avoir par... Ah putain, on en rencontre déjà un. Putain, ça rigole pas, hein. En même temps, ok, c'est le scénario. Ah oui, elle peut crocheter gratuitement, mais elle a pas le briquet. Je me rappelais même pas de ça. Alors, la map. Ah, mais la jaune, je pouvais la prendre. C'est juste... Oh merde, alors, je pouvais la prendre. Mais quel blaireau. Ouais, ben, je vais me calmer. Tant que j'ai pas le shotgun, je vais me calmer. C'est pas un ennemi extrêmement puissant, mais putain, je me suis fait bêtement toucher. Ah ouais, c'est fermé avec Chris et avec lui, c'est... Avec elle, c'est ouvert, mais quel blaireau. Bon, déjà, la chance que j'ai fait, c'est que, rappelez-vous, quand on fait le scénar A, on a l'opportunité... de... Un mot, au tiers ou à la moitié du jeu, on peut prendre une mitraillette et un super sac à dos de la mort. Moi, j'ai pris aucun des deux. Pour justement, sachant que le scénar B est plus difficile. Moi, on est de fougère. Alors, on va peut-être se prendre une petite herbe de sécurité. Voilà, petite herbe de sécurité. Voilà, petite herbe de sécurité, c'est bon. N'hésitez pas à partager aussi les éléments qui vous ont plu sur ce jeu, qu'on fasse un petit peu d'analyse de game design ensemble. C'est sympa. On est là pour discuter pépère. Un petit comité. Ok, d'accord, pas de soucis. Ok, je sais plus du tout par où passer, donc ça va être un peu le pif. Ah, non, la clé cœur, ok, pas de soucis. Ah, j'ai le truc automatique, je suis heureux. Ah, le volant est déjà là. Nickel. Ah mais c'est pas vrai, sérieux! Putain, j'en ai marre des mecs qui plongent, quoi. En même temps, j'économise des balles, mais... Voilà. Mais c'est pas vrai, mais c'est... Ils rentrent tous, quoi. Voilà. Alors, je rappelle, chose surprenante. Parce que j'imagine que vous connaissez les résidents, les opus d'après, du coup. Chose surprenante, il n'y a pas de... On peut pas se retourner de manière automatique, ça arrive à partir du 3. Ça arrive à partir du 3, et on peut pas charger quand on faut aller dans le menu. Et oui, les caméras, c'est toute l'esthétique du Resident Old School, ce sont les caméras... Avec justement
Le hors-champ, c'est on dissimule des informations et on génère de la peur, de la tension grâce à cela. Et c'est très cinématographique parce que justement on choisit toujours les angles, on a le moins d'informations et on doit se fier au feedback sonore justement pour avoir ces informations. Et ça crée une tension, d'autant que on en parlait avant-hier, la musique, elle n'est pas complètement dynamique, elle n'est pas précise au sens où c'est de la pauvre musique stéréo. Elle n'est pas sensible, les bruitages sont pas sensibles à la distance. Enfin, quand un zombie soit à quelques mètres ou à 10 mètres de vous, c'est le même bruitage à peu de choses près. Donc il y a une tension parce que vous entendez un bruit, vous savez pas si le mec est près ou loin, ça vous stresse. Mais alors, typiquement, voilà le mec qui rampe. Alors là, je suis en train de dépenser plein de balles, évidemment. C'est pas forcément super cool. Sale, t'es sérieux quoi. Ça c'est le bruitage quand il est mort. Ok, nickel. Bon, c'est parfait. Quoi, c'est une plante verte là? Can't carry, non mais c'est une blague. Non, non, on va combiner, on va faire deux vertes. C'est pas des balles de fusil avec elle, d'accord. Alors c'est bon, sinon au niveau du volume de la musique de jeu, ça vous sied. Bon, c'est le même code dans les deux. Et forcément. Ah, elle a pas le fusil. Je me rappelais même pas, donc du coup elle a cette arme. Ok. Bon, on va aller directement chercher un coffre. N'hésitez pas à échanger. C'est vrai que désolé, j'ai personne pour m'accompagner pour lire le chat, mais bon, ça crée une ambiance un petit peu plus intimiste. Là, on est vraiment tout seul. Du coup, je peux difficilement vous suivre. N'hésitez pas à vous répondre les uns les autres, à échanger. Est-ce que c'est... Là, l'idée de me voir jouer, je veux pas faire une performance extraordinaire. Donc vraiment, l'intérêt, ça reste d'échanger autour du jeu ensemble. Pourquoi en fait les qualités de ce jeu, pourquoi il a marqué quand même toute une génération. Certes le... Ok, d'accord, c'était une mauvaise idée de passer par là, c'est pas fait pour qu'on puisse... C'est un soft lock quoi, c'est du genre, c'est faut avoir des armes pour passer. Ça va être un peu compliqué, c'est plus facile de passer de l'autre côté. On va faire un petit tour, ok. Ah, c'est vrai qu'elle a pas le fusil, j'avais oublié aussi que les armes, et ça crée un gameplay aussi, ça altère le gameplay, c'est intéressant. Ils se sont pas foutus du monde quoi. Alors je rappelle, dans ce Resident on ne peut pas monter les escaliers, faut appuyer sur un bouton, c'est une action. C'est... Ah, le shotgun va me manquer un petit peu. Ah oui, pardon, on n'est pas dans l'ambiance survival. Ouh, je m'excuse. Désolé pour la mise en scène, j'avais prévu de faire ça. Voilà. C'est quand même plus logique. Seul problème, c'est que mes yeux fatiguent un peu plus vite, mais... Est-ce que vous préférez, en fait... Non, normalement, ça passe, y a pas de souci quoi. Voilà. Eh ben, t'as eu la même idée que moi. Parfait. Hop. Bah, c'est logique, c'est... Ambiance résidente, c'est... l'intérêt en fait. En plus, ce qui est encore mieux, c'est que je peux chuchoter comme ça. Normalement j'ai réglé le son pour pouvoir chuchoter, et pour l'ambiance je trouve ça vraiment hyper agréable. Alors oui, autre élément très intéressant, c'est que dans celui-ci il faut bien sélectionner les bons objets pour résoudre les énigmes. C'est pas comme dans certains jeux un peu stupides où ça c'est utilisé automatiquement quand vous l'avez dans l'inventaire. C'est à moins que ce soit parfaitement évident, genre vous avez une clé avec un carreau et vous allez avec les carreaux, mais pour les énigmes entre guillemets, même si elles sont simples, au moins le joueur est actif. Dans beaucoup de jeux modernes en fait, ils ont même abandonné cette idée. C'est dommage. Non, ce qui est le plus important, c'est le confort des viewers. Moi, si je m'abîme mes yeux, c'est mon métier.
Ok, c'est en revenant là. Je me rappelais pas que c'était si tôt, dis donc. Ok. Ok, c'est très très tôt. Ah, faut vite que j'aille sauvegarder. Oh, pff, ça me fait chier. Ah là là, là là. Comment faire? Ah là 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 là. Bon, réfléchissons. Non, j'ai promis... J'ai promis que je ferais pas de safe state, parce que c'est juste des safe state de confort. Je pense pas mourir, hein, c'est juste... Bon, je vais pas mourir. Oh putain, la vache! Ça m'a démonté! Putain, mais c'est une blagounette, quoi! Non, il m'a donné juste un coup de poing, quoi! Je suis scandalisé, quoi! Un misérable coup de poing, quoi! Putain! Ouais, il tape vachement fort, mais on n'est pas censé se faire toucher. Il est censé être très lent aussi. Bon, on va continuer. Ok. Ok, directement, c'est la clé quoi ça? Ah non, c'est la blue card. Ah, il faut que je prenne les deux diamants. Oh non! Oh putain, mais j'ai pas d'armes! Putain! The door is broken. Ok. Ah, c'était le monstre là qui revenait là. Ok. Est-ce que je vous disais, c'est vrai que les... Ah oui, une sauvegarde. Les jeunes viewers, vous devez être... Vous trouvez peut-être le jeu moche, mais... En fait, la direction artistique reste encore... reste bonne. Enfin, moi, je trouve que les choix sont bons. Ce truc post-apo localisé. Et on passe outre. Certes, c'est pas magnifique. Hein, de toute façon, les jeux PS1, même après la PS2, il n'y avait pas d'anti-alias, c'est sûr, c'est un petit peu moche. Mais on passe outre. Ok. Ah, alors ça, je ne vais pas m'en servir. Ça, c'est la sauvegarde de Geek or Die. Donc du coup, évidemment, je ne vais jamais me servir de ce rocket launcher infini, parce que finalement, tout le monde trouverait ça scandaleux, mais merci à lui quand même d'avoir pensé à moi, au cas où, si dans un moment de faiblesse. Alors, un moment de faiblesse, mais là, j'ai plus besoin du coffre avant un bout de temps, semble-t-il. J'ai plus besoin de... Normalement, je peux me laisser ça là. Ok. Mais en fait, j'ai pas besoin... Le lance-grenade, je sais même plus où on le chope. On verra bien. On verra bien. Allez, hop, c'est parti. Plutôt faire une sauvegarde là, c'est plus cohérent. Je viens de faire mon inventaire. Ok, bon, on va continuer par là. J'ai eu la petite carte. Faudrait que je retourne dans la salle avec le liqueur. Il y a toujours le côté claustro dans celui-ci, parce qu'on est toujours super confiné. J'adore les petits espaces confinés, qui avaient beaucoup dans le 1, qu'on a globalement perdu dans le 2, mais ils l'ont gardé un petit peu quand même.
Heureusement, j'ai envie de dire. Mais du coup, avec un petit liqueur... Hein. ouais, j'ai pas très envie de l'affronter, lui. Je vais regarder ce qu'il y a en bas, tiens. Ah bon bah voilà, au moins il est posé à l'accueil. Je me rappelais plus de ça, mais alors c'est du genre, voilà. Il est à l'accueil. Grenade launcher, c'est logique. Bah je pourrais tuer le Mister X comme vous l'appelez, enfin le tyran sang là. Mais... Mais ça dépense, on dépense plein de balles à le faire. Alors on en récupère par contre. On en récupère, vous me direz. Ice lock from inside, forcément. Je pourrais le tuer, effectivement. Mais le truc, c'est que... Oh mais putain, mais j'en ai marre des mecs j'ai, avec mes réflexes, j'ai directement tiré dessus, quoi. Qu'est-ce que je peux faire de plus que ça, quoi. Putain. Merci le code, je m'en souvenais déjà. Oh putain, mais ils sont rapides, c'est des vilains zombies. Est-ce que la musique est assez forte pour vous, du coup? Vous voulez une musique un petit peu plus forte? Non. Mais quel blaireau! Mais putain! Putain, je me disais, tiens, c'est marrant, y'a pas de tache de sang, c'est vraiment le... En fait, comme je suis toujours un petit peu fatigué, c'est... Je fais la moitié du raisonnement, quoi. Je dis, tiens, c'est marrant, il a pas de tache de sang, c'est bizarre. Oui, effectivement, c'est bizarre. Ah putain, mais c'est pas vrai, quoi. Misère. Ah, un petit spray. Mais je vais pas m'en servir parce que je veux le rang A. Comme hier. Enfin, j'aurais pas le S, hein, c'est pas possible. Bon bah si ça vous va, j'avais l'impression qu'elle était peut-être un chouïa pas assez fort. C'est peut-être l'ambiance que quand je tire ça va. Bon. Qui me dit que c'est bon. Oui, c'est ça, ouais. Bah elle est... Ah oui, c'est à ça que servait le machin la dernière fois, effectivement. Et hop, un petit chargeur. Il y a quoi ici? Ah, c'est un spade. Non, non, ok, d'accord, c'est une clé spéciale. Ouais, ça s'appelle un feedback, évidemment. C'est le feedback visuel en plus du feedback sonore, mais... Mais parfois, les joueurs sont récalcitrants, ils ne font pas attention au feedback, comme moi, il y a quelques minutes. Salut à ceux qui arrivent. Scénar B, clair. Donc, du coup... Mais c'est cool, hein. Putain, c'est pas vrai. Putain, je m'en rappelais pas des... Ok. Ma phrase préférée, it looked like there was a recent accident here. Ma phrase peut-être préférée. Ah! Il y aurait pas un truc derrière ici? J'ai été négligent la dernière fois, bon ok. Non. Alors je lis pas les textes évidemment pour rendre le tout un peu plus dynamique, mais. Ça participe à l'ambiance du jeu, c'est quelque chose que, comme beaucoup de joueurs, j'ai regretté de pas. Par exemple, le 5, dans le 5, il n'y en a quasiment plus. Et j'ai regretté, moi ça participait à l'ambiance. Après, même si le scénar, rétrospectivement, on peut dire c'est sûr, c'est une série B, enfin il est pas extraordinaire des fois on pourrait dire, mais
Quand t'es ado, en fait, t'y crois. T'es peut-être plus crédule, certainement, même, mais... Question de cible. Mais donc, du coup, bah, vu que j'y adhérais, ça me dérange pas. Bah, putain, y'a même pas un petit chargeur, là, si, quand même. Ah, quand même, voilà, faut pas délirer, quoi. Ok. Et j'ai pas le briquet. Eh non. Moi, j'ai mon épingle. Parce que, forcément... Petit élément... Oh, je serais peut-être... Élément sexiste, c'est un peu fort de dire ça. Putain, mais c'est pas vrai! Et c'est parti! Ah, il a sauté à côté de moi! Quel blaireau! Non! C'est bon. Putain, saleté! Putain, il a fait son petit feedback sonore trompeur là. C'est le même cri, mais version chuch, mais quand il est pas mort. C'est supra piégeux ça. Voilà, je fais la fameuse technique du hors-champ, c'est la vise automatique, ça te permet de savoir s'il y a un petit billy qui t'attend pour te mordre. C'est une technique avancée, je vous donne le tips. Hop là. Diamond, bah c'est pas pour tout de suite. Ok. Ok. Et encore des herbes. Ah bon, on va tout ramasser. Faut vite que je trouve des rouges pour faire des combinaisons parce que sinon ça va pas être mieux. Bah viser la tête, t'as pas trop le choix dans celui-ci de toute façon. Normalement, avec un shotgun je vise la tête, avec le flingue si je vise le haut ça vise pas la tête, non, ça vise trop haut, non? Non? Peut-être pas ceci dit. Ah oui, c'est la super clé pour les vêtements alternatifs. Bah, trop habillé en fait, non, mais par contre, le truc qui est drôle, c'est que le jeu serait fait. Serait fait actuellement, j'ai envie de dire malheureusement, l'héroïne serait peut-être un petit peu plus sexualisée. Question de marketing, malheureusement, mais... Il y a des chances. Je dis pas que ce serait le cas, mais ce serait tout à fait possible. Ah putain, y a que ça, mais c'est nul quoi, la salle vraiment useless quoi. Bon là, je peux tirer des photos, je suis hyper heureux, mais j'ai pas ce qu'il faut. Ok, c'est parti. Petite save à côté. Ah. Nickel, donc pour l'instant, tout se passe bien. Oui, tout à fait, au niveau poitrine, effectivement, avec le marketing, le personnage ressortirait maintenant. Il serait plus sexualisé, même si la mode est passée un peu des gros seins. Maintenant, on sexualise aussi, parfois sans trop de poitrine, ça se fait aussi depuis quelques années. J'ai pas joué à R6, non, j'ai joué à... Au 1, 2, 3, 4, 5, 0, remake, pardon. Bon, voilà. Ah ben non, faut que... Voilà, je pousse les fameuses statues. Les costumes seront DLC fort probable. Bah c'est ça ce qu'on appelle une vraie mutation. Code Veronica, effectivement, un de mes préférés en plus. Bon, j'ai beaucoup joué à la série en gros quoi. Ok, une des deux pierres. Allez, go, prendre la pierre. On peut pas la prendre sur le côté, bah non, normal. Faut pas exagérer quand même.
Bon, bon, on continue par là. Ouais, c'est un œil, pas un œil du tigre, mais c'est un œil rouge, machin. Ok. On va aller dans le truc des stars. Leon. Ah oui, c'est vrai. It's good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. On a le bureau des stars et là du coup on retrouve le, y a le bureau de Chris, de Gilles, de Wesker également. Bon, y a pas grand chose ici à prendre, avec quelques petits trucs. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Merci beaucoup. Alors. Et elle a une petite arbalète, mais c'est cool ça. L'arbalète, c'est de la balle. J'ai un bon souvenir. Quoi, il n'y a pas de... Il n'y a pas un soin dans ce machin, c'est une blague. C'est juste pas logique. Ah bon, non, il n'y en a pas. C'est une trousse à pharmacie, mais Léon l'a peut-être pris. Eh bah oui. La clé carreau, nickel. Ok, cool. Ah, le blouson, ouais, le nom de Chris, ok. Et voilà. Ah tiens, la photo des stars, on ne l'avait pas vue la dernière fois. Il n'y a rien d'autre ici. Si, il y a le fameux truc, si on clique 50 fois... Ok, bon bah let's go. Ah, je me rappelais plus de ça. Bon, il parle du J-Virus ici, ok. Ok, pas de soucis, let's go. Alors, on a la clé carreau. On va être un petit peu débloqué, mais bien entendu... Alors, les vilains zombies sont là, maintenant. Putain, les vilains zombies. Je vais passer plein de fois, je vais les éliminer. Ah non, le petit zombie est parti. On pourrait croire que c'est la petite fille qui est en train de bouffer. Non mais la blague! Oh la vache, mais sérieux quoi. J'ai pas une grosse arme, j'ai qu'un flingue à la con quoi. Oh, en plus je les ai blessés, j'en ai tué qu'un. Mauvaise idée. J'en ai tué un ou deux, du coup j'ai gaspillé des balles mais... Ils vont moins m'agresser. Non! Et le scandale! C'est vrai, elle est sérieux quoi. Le zombie beaucoup trop costaud.
Voilà. Nom de Dieu. Quoi, dans le placard à balai, y'a rien? Non. Ah, ok. Un petit chargeur, ah putain, ils ont peur de rien, quoi. L'effet d'annonce, quoi, la déception. J'utilise un petit pass et je me retrouve en... Ok. Ah, ils sont déjà là, les vilains zombies. Putain, ça traîne pas. Ah non, c'est pas là, d'accord. C'est... ouais. J'allais faire ça après. On va faire cette énigme. Oh non, ça s'est cassé. C'est le même. Voilà, droite et droite. Alors j'ai pris le câble avec Léon, mais j'ai oublié de le mettre. J'ai oublié de le mettre, mais en même temps je suis pas dans la même partie. Ah putain, je suis pas sur la sauvegarde. Guy Corday, est-ce que t'as utilisé... Ah là là, quoi? Serpent Stone? Attends, je me rappelle même pas de ça. Parce que vu que moi j'ai joué le scénar A, mais on a changé de version entre temps, est-ce que toi, Guy Corday, t'as utilisé la mitraillette et le super sac à dos avec Léon, du coup? Je vais avoir une mauvaise surprise, je vais faire non! Toutes ces économies. Oh putain, sérieux quoi! On peut même pas la combiner quoi! Ah non, j'avais oublié que tu me l'avais dit, tiens. Donc tu me l'avais déjà dit, désolé. Alors maintenant j'ai la clé, on a dit. Carreau, ok. Ah, je vais peut-être pouvoir vous apprendre quelque chose. Petite anecdote. Ça peut paraître curieux en fait quand on regarde les cartes. En français on dit carreau. Et on comprend pas ce que représente ce jeu de cartes. Quelqu'un sait ce que représentaient les jeux de cartes? Le jeu de cartes traditionnel avec pique, cœur, carreau, trèfle, qu'est-ce que ça représente à la base? Et si vous savez pas, moi je vous dirai. Du coup, il se trouve que je le sais parce que j'ai pas mal joué au poker et je m'intéresse à ce genre d'histoire. Ouais, bah non, c'est pas par là que je vais aller. Putain, j'ai pas pu prendre ma rouge quoi. Je suis à combien? Bah, je suis en fine, quoi. Désolé, c'est vrai que... Eh oui, alors... voilà. Voilà, j'en ai deux que je peux ouvrir ici. Alors, je peux aller... Je peux aller là. Et je peux aller là-bas. Je vais aller d'abord là-bas. Ouais. Je sais pas en fait. Je sais pas quel est le mieux. Je vais d'abord aller là-bas. Ah oui, c'est vrai, mais t'as des putains de zombies vachement violents. Ça m'embête un peu ça. C'est quoi déjà? Ah, c'est là. Ouais, c'est là qu'on met quand on a les. Ok. Ah bah non, je vais changer de plan. Je vais plutôt passer par là-bas. En fait, là-bas, il y a plein de zombies. Je dis que là-bas, je fais référence à
Ouais, je vais pouvoir faire le tour par ici. Ouais, c'est une excellente idée, ça. Je vais faire ça. Ah, mais je vais devoir quand même les buter. 52 cartes pour le nombre de semaines dans l'année, c'est exact. Mais pourquoi pique cœur carreau trèfle? Je me rappelle plus à quoi ça sert, ces pierres à la con. Bon, bah je vais les enlever en attendant. Ah, mais c'est vrai que maintenant j'ai ça comme arme. Je peux tout défoncer. Bon, bah je vais d'abord défoncer avec ça. Allez hop. Je vais pas prendre l'arbalète tout de suite. De toute façon, je jouerai avec l'arbalète après. Je dépense d'abord mon petit flingue. Voilà. Pour simplifier les enseignes. Non, mais je vais vous le dire. C'est juste que j'attends... Quel... Putain, mais sérieux, y a pas de recul, quoi. Merde. Fait chier, quoi. Ben oui, oh là là, merde. Non, mais la blagounette, quoi. Ouais, du Moyen-Âge, ouais, mais qu'est-ce que ça représente? Après, je vous donnerai un indice, évidemment. Je suis pas méchant. Non, c'est... Parfois, on trouve ça, mais c'est pas la principale explication, c'est pas les saisons. Enfin, je veux dire, il y a 52 saisons, mais c'est... Je vais vous donner des indices, après. Les enseignes des familles, mais alors précise ce que t'entends par famille. Non mais c'est une blague, y'en a combien? Piqueur, carreau, trèfle, ça... Ça représente quoi? Oh attends, et la catastrophe, je gaspille mes armes, en... c'est la folie quoi. Bon, en même temps, je vais pouvoir repasser là. J'espère qu'ils vont par pop. Parce que sinon, je vais vraiment me pendre. Je vais sauter par la fenêtre, là. Il y a 52 semaines. Il y a 52 semaines, pardon. Putain, mais c'est pas vrai. Ils ont repop ici aussi. Non! Alors les enseignes ont été simplifiées pour que les cartes coûtent moins cher à produire. Pourquoi pas? Non, mais il y a une raison en fait, il y a une valeur symbolique. Non mais LOL, sérieux, le gaspillage de balles. Et la folie quoi, ils sont trop solides. Ouais, c'est bon. Truc de fou quoi. Oh putain. Effectivement, ça a un peu à voir avec ça, mais... Caution, quoi, faut que je fasse gaffe. Ouais, il y a ça. Putain! J'ai plus que ça! La vache! Ah, des fléchettes. Enfin, des flèches. Oh, 36, ah, mais c'est vrai qu'on les tire par 3. C'est ça le problème. Voilà. Ah oui, c'est pour péter le mur. Nier. Exact. Attends, check. Je
Je me rappelais même pas, c'est à côté... Ah merde, j'ai pas lu. C'est à côté de... De l'hélicoptère. On va le faire dans Speed Game, évidemment. Bon. Ouais, c'est ça, c'était bien le mur à côté de l'hélico. Putain, je suis en piteux état, hein. Truc de fou, quoi. Je vais vous donner la réponse. Ah putain. Bon bah j'ai pas pris mon arbalète sur moi, je suis vraiment malin. Je suis vraiment con et j'ai pas pu prendre la plante rouge tout à l'heure non plus. Putain! Fais chier. Ah, c'est trop risqué. Ah, j'aimerais bien voir s'il y a un chargeur là-bas. Bah, là, je peux pas passer. J'ai quand même pas utilisé un truc de bazooka. Ce serait vraiment abusif, quoi. Ce serait quand même en débile, quoi. Plein de gaspillage. Et voilà le problème. Putain, je peux plus passer. Ah non, c'est hors de question que j'utilise du bazooka. J'aimerais bien ouvrir cette porte-là, je l'ai ouverte déjà. J'ai eu le pain de C4, je vais pouvoir, mais j'ai... Ah putain, je dois retourner là-bas. J'ai pas envie de me faire biffer par un zombie, là. Bon, peut-être... Voilà. Là, je suis déjà passé. Mais go, 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 go! Et le détonateur, j'espère qu'il était pas sur le bureau, c'est pas le truc qui était sur le bureau, le détonateur. J'ai cru voir un truc sur le comptoir, sur le bureau du policier, du Black, qui nous accueille et qui meurt juste après avec Léon. Est-ce qu'il y avait un objet à prendre sur le bureau? J'ai cru que c'était le détonateur. Si c'est le cas, j'y retourne, si c'est pas le cas, ne me dites pas où il est, hein. Je veux pas que vous me spoiliez. Spoiler, pardon. Spoiler, c'est autre chose. Alors, eh ben, on va l'ouvrir là-bas. Alors, j'en profite pour vous raconter la petite histoire avant le moment d'action épique qui arrive juste là. Voilà. Alors, en gros, pique cœur carreau trèfle. Ça représente les classes de la société. En gros, il y a deux classes pour le tiers-état. Trèfle, c'est les paysans. Carreau, c'est la bourgeoisie, c'est les marchands, essentiellement à la base. Cœur, c'est la... Et cœur et pique représentent respectivement la noblesse et le clergé. Donc noblesse, clergé, et les deux derniers pour le tiers-état. Le tiers-état. Donc en gros, vous avez évidemment trèfle les paysans et carreau la bourgeoisie, les marchands. Alors pourquoi à la base les bourgeois c'est tous des... pourquoi tous les marchands sont des bourgeois et vice versa à la base? C'est parce que à la base bourgeois ça veut dire les habitants du bourg, les habitants du centre-ville en gros, et c'est là où il y a les commerçants. Le tiers-état est constitué à l'époque de 90% de paysans qui produisent et les marchands ils sont au centre de la ville et ils échangent. Et du coup ils sont forcément dans le bourg, d'où les bourgeois, et on comprend mieux... Parce que déjà, c'était des gens très riches à l'époque. Et on comprend mieux en passant par l'anglais, parce que carreau, on dit, mais pourquoi carreau? Parce qu'en anglais, c'est diamond, c'est des diamants. À la base, c'était les diamants. Les diamants, parce qu'on est riche. Et carreau, en gros, c'est des diamants. Voilà, c'est les...
Bon, ben, niveau économie, on repassera. Hein. Niveau économie, c'est pas tip-top. C'est... Ouais, bon, bah là... Je devrais peut-être... Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est rentable de buter le tyran sang? J'aurais peut-être pas dû prendre cette misérable plante. Alors ben... Ah, elle aussi, elle est prescience. Elle voit une clé, elle l'utilise et dit « Elle est useless maintenant, jette-la. » Moi, j'aime bien. J'aime bien les gens malins comme ça. Eagle Stone, je me rappelle pas du tout à quoi ça sert, cette merde. Je vais pas prendre le soin. Est-ce que je le prends au cas où? Non, ils vont me refaire le coup du truc qui passe à travers la porte. Tu prends ton spray, toi? Bah, je les prends au cas où, parce que si le scénar B s'avère un... j'ai refait la même! Là, c'est déclenché avec l'objet, mais quel blaireau, quoi. Là, j'ai pas eu la peur d'hier, mais... d'avant-hier. Ah, oh, ça m'a mis en cochonne un coup de langue, merde, c'est pas un coup de griffe. Ah, oh, putain, j'ai une rouge ici, quoi. Ah oh là là, gaspillage sur gaspillage. Quoi? Putain, c'est pas vrai, il y a encore un mec ici. Ah oh là 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 là. Il me faut le détonateur. Putain, j'en ai des énigmes là. Il me faut le détonateur, il me faut les pièces à la con. Il y a peut-être un truc ici, ceci dit. Bon, bah je vais équiper ça, mais... Ça m'emmerde un peu, là. Hein. De gaspiller une balle s'il n'y a rien. Bon, il y a forcément un truc, tu me diras, mais... Vilain machin, j'espère que ça meurt en une seule balle, ça. Quoi, il y en a deux? Ah, la vache. Quoi, j'en ai pu ? Bon. Blaireau, quoi. Putain, ça l'a pas buté, quoi. Ah, il manquait une petite balle de flingue, quoi. Comment c'est scandaleux. Merci, 15 balles. J'espère que j'ai pas chopé que ça. Hein. Là, je vais crier au scandale. Nothing special. Special, mais putain, non. Ah, le gaspillage, ah mon dieu. Oh non. Je spam comme dans un bon Final Fantasy X, tu vas dans tous les coins et t'essayes. Ah merde. Ah merde. Voilà. Bah je sais pas. Ça donne des bouts de magnum. Ah putain, le gros gaspillage là, c'est le gaspillage. Je perds des points de vie. Oh là là. Ah là 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 là, putain. Truc de fou. En plus, je sais même plus où elle est là, du coup.
Ok. Alors par contre, j'ai déjà tout pris. Il est où le détonateur à la con? Attends, la clé rouge, c'est quoi? La clé rouge, c'est Art? Mmh. Là, faut que je retourne à la bibliothèque à la con. Merde, elle est où déjà? Ah bah, j'y vais par là. Ouais, c'est ça. Imagine, it's too dangerous to go outside. Ah non, on peut sortir! Putain, mais ils vont me la refaire souvent, ça, sérieux. Putain. C'est vraiment pas de bol, quoi. Inventaire minuscule, quoi. Ah, Brad, il est là ? Brad est là, on peut avoir une... peut-être une amélioration, mais j'ai plus rien du tout. Il y a une amélioration de rien, je crois qu'on a une amélioration de flingue avec elle, c'est pas une nouvelle tenue, ou alors une nouvelle tenue peut-être. Ou une nouvelle tenue, ça peut être rigolo. Et surtout une amélioration de flingue. Bon, it's too dangerous to go outside here. Ok, d'accord, ça a pas de problème, je vous crois. Ok, bon. Bah je peux pas le buter, j'ai pas d'arme. Ce serait temps que j'aille à un coffre, moi. Parce que là... Alors, le plus rapide, bah si, pour remonter le plus rapidement possible, c'est facile. Je mange des... On va faire la Black Swan, mais... Je mange des BN, hein, c'est eux qui sponsorisent l'émission. Hein, je les remercie d'ailleurs. C'est le mec qui conduit, qui fuit et qui revient, Brad. Alors voilà, nickel. Bah ouais, je vais aller là-bas. Alors pas mal. On va remonter là-bas. Ok. On va remonter la bibliothèque, je sais même plus de régler. Putain, je confonds. Elle est là, je crois. Je sais plus, en fait. Je vais vite voir si je me suis... Un coffre, enfin. Ah, et j'ai laissé... Ah non, j'ai pris la plante rouge, c'est la plante verte, j'ai pas prise. Bon, le pain de C4, on s'en fout pour l'instant. Le spray, on s'en fout. Et je vais prendre une verte que je vais combiner. Ah ouais, je vais peut-être prendre ça, par contre. Ouais, ça peut être pas mal. Je vais prendre des munitions. Des munitions de ça, peut-être. Peut-être pas mal. Puis un petit... Je vais me faire un petit mélange. Voilà, comme ça. C'est cool. Ok, nickel. Ah putain, tu peux en mettre 12! Je me rappelais plus de ça. Truc de fou. Je me rappelais plus du tout de ça, moi. Bon, d'ici là, je retrouverai une plante. Allez, j'y vais sans énergie. Je n'aurai pas de soucis. Allez, hop, c'est parti. J'ai fait ma petite save. Alors, j'ai pas... Je peux peut-être aller buter... Je peux peut-être aller buter le tyran éventuellement.
Ah oui, non, ici... Oui, il me manque le deuxième. Alors déjà, on se barre direct. Parce qu'il y a un vilain monstre. Alors c'est ici que je vais pouvoir passer. En regardant la carte, mais... C'est ça, c'est ici que je vais pouvoir passer. Et c'est cool. Et la bibliothèque, elle était de l'autre côté, évidemment. Alors, est-ce que vous êtes pour que j'aille rosser le tyran sang avec mon lance-grenade acide? Je vais d'abord faire la bibliothèque, mais si vous êtes pour, on peut faire un stropole. Est-ce que je dois aller buter le mécréant? En espérant choper des balles, évidemment, sur son corps. Hein. Il ne s'agit pas non plus de gaspiller des balles, comme tout à l'heure. Pour espérer, justement, avoir un reward sympa. Je sais plus quelle est la chaîne de reward quand on le tue, mais je sais qu'on a des balles. Mais voilà, faites un petit... Il peut y avoir un stropole, quelque chose comme ça. Ou alors simplement dans le chat, quelqu'un qui fait la synthèse. On va retourner là-bas. Non, c'était là-bas. Quoi? Ok. Quoi, il y a encore un zombie à la con ici? Mais il sert à que dalle, je vais pas le tuer celui-là. Il y a quoi d'autre là-bas? Ah, il y a peut-être un truc en fait, mais je me rappelle plus. Putain, je me rappelle plus. Je sens le gaspillage de balles arriver là. Je sais plus ce qu'il y a là-bas. Bon, on va le buter. Il y a peut-être un truc au bout du couloir dans le scénar B. Ça se trouve non, mais... Allez, go! On gaspille pas de balles comme ça, faut viser! Ah bah voilà, j'ai bien fait. Je me disais, il y a peut-être un truc. Et effectivement, il y a un super truc. Ok, d'accord, on a plus d'armes. J'ai failli pas y aller en plus, quoi. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout mon instinct. C'est pas ma mémoire qui a fonctionné. C'est plutôt mon instinct de joueur, là. Quoi? Ah non, c'est une blague. Il aurait dû crever. Parce que vraiment, je me rappelais pas. Je me suis juste dit, putain... Et j'ai... Ouais, j'ai préféré faire confiance à mon instinct de joueur plutôt que ma mémoire. Et j'ai bien fait. Ouais. Petite économie dans mon route planning. Ah, le médaillon de la licorne est là. Oh, mortel. Ah ouais, effectivement, c'est pas les mêmes énigmes. Bon, bah, on va aller le poser. Non, non, RM, il est comme moi, il a peu de temps. Moi, c'est le seul jeu auquel je joue, de Love Champions, à côté de mes heures de travail, parce que là, je sais pour... c'est entre guillemets le travail, c'est du bonus, je vous en fais profiter en live, d'habitude, je joue juste tout seul dans ma chambre. Mais en gros, c'est pour speed game, quoi. Alors, évidemment, je ne suis pas surpris, hein. Alors, c'est la clé pique, on est heureux. La clé pique, ça va nous dé... Alors, par contre, j'ai peut-être assez de balles pour aller rosser... Le mec dehors. Bon, je vais aller chercher ça déjà. On va aller comme ça, on aura une tenue alternative et une amélioration de flingue, je crois. Alors, je peux pas cliquer dessus, mais du coup. Ouais, 91%, mais comment c'était prévisible? Moi, j'aurais fait. Je savais que vous vouliez ça, enfin, c'était évident. Oh, je vous connais, enfin, c'est normal. Il y a 8 mecs sympas qui ont dit non. C'était pour gagner du temps. Alors là. Déjà, on va buter le vilain zombie. Ok, il est assez costaud. Je crois qu'il mord fort, mais... Voilà la special key. Let's go. La mort CDV. La clé tiers... Non, la clé tiers Zeta, c'est la clé trèfle. C'est pas la clé pique. C'est pour ça que l'ordre... En plus, c'est très drôle, parce que l'ordre, par exemple, au poker, quand vous tirez une carte pour déterminer le dealer, toutes les cartes n'ont pas la même valeur. C'est pique.
cœur, carreau, trèfle, pique, c'est la plus forte. Ensuite, cœur, carreau, les bourgeois, trèfle, les paysans. Ça, c'est juste pour le lancement du jeu qu'elles n'ont pas la même valeur. Après, dans le jeu, elles ont la même valeur. Mais rien que ça, ça nous donne un indice. Quelle est la couleur la plus forte ? Pique. Non, mais j'ai la clé de pique, justement. Mais dans ce jeu-là, c'est la dernière. C'est la clé de trèfle la plus dure à obtenir. C'est un jeu, en fait, marxiste. J'ai la pique. Hein, la pique, c'est là-bas. Je fais mauvaise route, là. Demi-tour. J'aurai peut-être un pain de C4, sait-on. Jamais là-bas. Peut-être que je streamerai un de ces quatre du Vandalart. Du Vandalart 2. Je le referai bien. Et d'ailleurs, ouais, bon. C'est hors sujet, mais. La clé spéciale, je la chopperai là-bas, sans doute. Ok, c'est parti. j'accepte mon destin, je vais aller. Je vais aller du coup. Déjà. Ouvrir cette porte. Elle est useless. Vandalart. Ouais, grosso de Tactico, c'est clair. Vandalart, je suis vraiment archi fan de la série. Si on aime les Tactico, évidemment. Et le 2 est encore meilleur. Alors c'est marrant parce que. Il y a des fois des puristes ou des gens qui vont dire la critique, il a moins emballé la critique, le 2. Alors que moi je trouve qu'il est, il est mieux. Je suis fan du 1, mais je suis encore plus fan du 2. Il est plus abouti au niveau du gameplay. Non, je veux pas de ça. Le personnage de Godard, je l'aime bien. Le héros de. Le méchant de Vandalart 2 s'appelle Godard. Ah, le briquet, il est là! Ah, d'accord. Ah, putain, je me fais avoir. Non... Manger... Ah, j'ai eu le briquet, je suis heureux. Donc on va pouvoir retourner dans la salle. Ah bah elle est juste après, ça tombe bien, c'est pas trop loin. Non mais il y a la clé spéciale en plus, direct ici. Clé spéciale. Enfin juste après je veux dire. Là, briquet. Et ben moi aussi je vous fais des bisous. J'aime bien cette ambiance du coup un petit peu intimiste. Un jeu comme Resident s'y prête bien. Avec pas trop de volume, pas trop de... En plus le bureau est très calme le soir. C'est pour ça que je stream le soir. Parce qu'en plus de toute façon c'est le bureau sur lequel Realmiop bosse aussi. Donc de toute façon j'ai pas trop le choix. Mais c'est pas plus mal. C'est... Ouais je stream depuis 3 semaines un truc comme ça. Et quand j'aurai 5000 abonnés, je vais faire la demande pour avoir un compte partner. C'est pour ça, moi, si vous pouvez mettre un petit cœur juste comme ça pour que faciliter ma demande, je vous demande même pas un dollar. Ok, bah c'est nickel ça. Non, j'ai déjà pris le chargeur qui était là-bas. Ah non, je vous ne me verrez jamais en calbut ou torse nu, bien que chez moi, je suis facilement torse nu en calbut, mais... quand je suis torse nu en calbut ou quand je sors de la douche, je ne mets pas la caméra, simplement. Je stream juste avec la voix. Donc quand je ne stream concluez, quand je ne stream qu'avec la voix, c'est que je suis en calbut ou que je sors de la douche. Voilà. Ah, mais la merde. Putain, c'est vrai qu'ici, putain. C'est la folie. C'est vrai que j'étais pas remonté ici. Maintenant, j'ai les deux... Ah, j'ai les deux cœurs. C'est pas vraiment là que je voulais aller. Elle est où la salle spéciale? C'est bizarre, c'est... Je crois que c'était là la salle spéciale, moi. Mm-hmm. Ouais, je croyais que c'était là, je me suis trompé.
Bah non, c'est pas du tout là. Et ça, ça mène là... Non, c'est nul. Ah, c'est derrière la salle photo. Bah ouais. Bah ouais, c'est ça. Ah, mais quel blaireau. Ah, la header. Putain, je vois que dalle. Oh, le gaspillage, mon dieu. Putain, et les armes, ça part trop vite dans ce jeu. Ah, elle est là, c'est ça. Voilà. Ah oui, non, non, je me lave comme tout un chacun, évidemment. Ah bah non, mais c'est le v'là, le casier. C'est les mêmes balles que, que les balles de flingue, c'est ça? Non! Ah, mais putain, je voulais juste. Ah, il faut que j'aille buter le tyran. Bah, ça tombe bien, je suis en train de retourner. Bah oui. Ok. Ok, ok, c'est bon. Briquet, je pense pas en avoir besoin tout de suite. Par contre... Je sais plus... C'est les mêmes balles, quelqu'un peut me dire... A priori, c'est les mêmes balles, hein. Bon, ouais, je dirais que c'est les mêmes balles. Allons-y, on fait comme si c'était les mêmes balles, en tout cas. Pourquoi la force de l'insouciance? Moins de délai, c'est mieux. J'aime pas le délai. Bah, 10 secondes, c'est déjà beaucoup, hein. Moi, je trouve, hein. Voilà. Ok, il est encore un peu plus loin. Moi, je m'en voulais pas. Elle est où cette salle déjà? Merde. Elle est de l'autre côté? Alors. Ah, nous y voilà. Ah oui, j'ai pas été là-bas. C'est là que j'ai pas été. Ah déjà, oui, il y a une plante aussi que j'avais pas prise. Ah, il y a une autre plante rouge que j'ai pas prise d'ailleurs. Faut que j'y pense absolument. C'est la plante rouge là où j'ai perdu des balles bêtement. Si quelqu'un peut me rappeler ça un moment. Non, c'est pas là que je voulais aller. C'était là-haut. Ok.
oui, c'est vrai que j'ai eu le briquet, donc moi j'ai pas ça. Ah oui, donc... Ah, j'ai pas eu ça encore. Non, il faut que j'aille dans la salle. Bah non, je suis en train de rusher le jeu, donc malheureusement pour vous, ce stream ne va pas durer très longtemps. Là, j'ai pas d'assist. Mais... Je suis en mode cool, là. En mode cool, et si à un moment, vraiment, je... Alors, faut que j'aille tuer le tyran, c'est dans les objectifs qu'on s'est fixés. Il est de l'autre côté, le vilain tyran, et il y a la salle aussi dans laquelle je veux me rendre. Ok, bah je m'y rends. Bah c'est ça, je vais dans la salle pour les deux joyaux, c'est ce que je m'apprêtais à faire. C'est à côté du tyran. Bon bah j'y vais de toute façon, bam. Petite sauvegarde. On va le tourner cette semaine, mais il sera diffusé dans quelques semaines. Ah, je vais faire mieux. Je vais pas le toucher. Non. J'ai pas envie de gaspiller... Putain, saleté. J'ai pas envie de gaspiller des balles. Putain. Ah bah de toute façon, je peux pas me soigner. Ah bah non, mais non, c'est... Quel blaireau. Voilà. Ouh. Alors le tir en sang, ça paraît un peu compliqué, faudra voir que je me soigne. Hein. Je retourne juste prendre un peu de vie et je vais le défoncer. Comme promis. Comme promis, là, c'est... voilà. Attends, j'ai pris que 4 BN, ça va être un peu chaud. Ça va être un petit peu chaud quand même. Il va falloir que je fasse un petit peu attention. Mais bon. Ok. On va prendre quelques petits soins. Bah ça j'en ai toujours pas besoin. Ok, nickel. Voilà, on y va. Ok, donc là on va le défoncer théoriquement, sauf vraiment problème. Sauf s'il a disparu. Ça me paraît bizarre ça. Il revient que dans un sens. Oui, c'est ça. Je crois qu'en termes de mise en scène, ils te le mettent pas et te le font réapparaître. Non ? Ah merde ! Il est plus là ?
Ah bah c'est ballot ça. Il a disparu. Merde, c'est pas de chance ça. J'ai un morceau à la con, je suis heureux. Alors c'est très étrange ça. Non, c'est une blague, il y a encore des mecs ici. Je vais les avoir défoncés. Parce que là, ça fait chier de les éviter, quoi. Non, ça c'est cœur. Cœur, je... Bah oui, j'ai pas. Le détonateur. Ah non, j'ai cru qu'il était là, mais c'était... Eh non, pas du tout. Quel blaireau. Bon bah, je suis parti pour les tuer. Bah, je vais le retrouver, c'est forcément une des salles que j'ai pas. C'est juste une des salles que j'ai pas visitées. Ça va pas être compliqué. Eux, je les ai tous butés maintenant. Ah, je vais pouvoir aller... Ouais, le tyran a disparu. Je suis vraiment triste. Attends, je vais d'abord chercher ma plante rouge. Qui était là-bas, je crois. Que j'ai oublié. Je vais la prendre tant que je passe à côté. C'est très étrange. On va regarder ensemble la map. Je sais qu'une fois... Bah ouais, mais ça fait chier. Moi, je l'ai pas tué. Parce que pour avoir... Je crois qu'il faut l'avoir tué partout. Faut l'avoir tué dès tout, à chaque fois qu'on le rencontrait pour avoir l'upgrade ultime, genre. C'était pas là? Ou alors je l'avais pris peut-être. Le routing de malade. Je l'avais pris en plus, putain. Je pensais pas l'avoir pris. Merde! Est-ce que juste... moi j'ai pas envie qu'on me spoil, mais... Mais il y a juste un truc, est-ce que je pourrais quand même avoir le dernier upgrade en tuant le... la dernière fois que je vois le tyran si je le bute, parce que... Ou alors il faut l'avoir buté à chaque fois. Est-ce que ça va me priver d'un upgrade énorme? Parce que là j'imagine j'ai raté quelques balles, mais... En soi c'est pas grave ça. Alors examinons ça. En plus il se peut que ce soit une salle que j'ai déjà visitée. Il manque juste le putain de détonateur. Et ensuite, on va... Ensuite, toute cette zone-là, on va pouvoir la visiter. La zone qui est en blanc. Donc, on va être décoincé, on va choper une clé et l'aventure continue. Mais là... Putain, je l'ai raté, quoi. Je veux bien un indice. Ah bon, bah c'est des fesses, ça tombe bien. Le détonateur dans le bureau de Marvin et dans le bureau des preuves à côté, mais il faut la clé Caro. Je l'ai là que les carreaux. Bah c'est lequel que j'ai le détonateur? C'est dans le bureau d'épreuve. Ça me parle pas ça. Indice fait de Léon. Bah ouais. Ah non, les mecs, vous me faites pas cette blague. Attendez. Il a pas intérêt d'être là, parce que s'il est là où je pense, je vais vraiment gueuler. Attends. Non, ça doit pas être ça, vous. Je me suis pas fait arnaquer. Attends. Indice Léon. Putain! Ah, et voilà! Voilà, je vais retourner ici. C'est là, c'est le dernier endroit où il fallait que je retourne, mais... Putain, oui, ça se trouve!
Oui, il faut buter le Black, c'est quand même un mec important. Putain, je vous ai demandé... Putain, si c'est vraiment ça, je suis écœuré parce que j'ai voulu y aller. Non ! Putain, saleté. Je me suis dit, il est là. Et j'ai fui et j'ai... Et je vous ai demandé s'il était là. Et j'y serais retourné si vous m'aviez dit oui. Donc c'est pour ça, en fait, je vous ai fait confiance. Ou alors je n'ai pas lu vos messages, ce qui est également possible. Putain, je le savais, je l'ai dit, quoi. Putain, c'est ça. Putain, je vous ai demandé, alors c'est parce que j'ai... Ah, c'est parce que j'ai pas vu ça, parce que je vous ai demandé, en plus, dans mon souvenir, il était là. J'ai cru le voir, mais j'étais poursuivi par des zombies, et je vous ai demandé s'il était là, et après, du coup, j'ai dit, ok, il est pas là, il m'aurait dit, mais en fait, c'est con, j'ai peut-être pas bien lu le chat. Eh ben, on y retourne, du coup, c'est bien, on est débloqué. Ma mauvaise foi, c'est pas de la mauvaise foi, je vous ai demandé, mais... Ouais. Bah je l'avais épargné, et c'était un mec sympa. Alors attendez, donc l'hélico il est donc... Faut retourner là-haut. C'est ça. Et il y a un coffre à côté. Retournons là-haut. Non, non, c'est juste... Non, ouais, c'est là-haut. Bon, là, je suis à côté d'une sauvegarde, hein, comme d'hab, un petit save. Hop, là. Alors nous y voilà, parfait. On va pouvoir... On va pouvoir choper le C4. Putain, on a plus beaucoup de balles, hein. Par contre on est un petit peu... On est un petit peu just. Voilà, on continue l'aventure. On va dire que vous m'aviez aidé, on a pas pu communiquer, voilà, on serait tous à l'oral sur un... TS géant, nous aurions pu nous en sortir. Mais là, du coup, ça a été compliqué. Putain, j'ai plus que ça. J'ai pas beaucoup d'armes, dis donc. J'ai intérêt de trouver... J'ai intérêt de trouver... Vite fait ma route. Et vite fait, des balles, surtout. Oh, I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. Je vais remettre... Il fait un petit peu froid. Je vous laisse la cinématique, je reviens dans 30 secondes. That's the mayor's daughter. I was told to look after her. But I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon putrefy, and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. Non. Ça va. Il m'en reste deux. Je suis pas mort. And to think that taxidermy used to be my hobby. Salut à ceux qui arrivent. Petite ambiance mousse avec ce petit Resident 2. Pour ceux qui arrivent, du coup.
C'est le scénar 2, donc c'est complètement différent. C'est le scénar B. Please. I'd really like to be alone now. Ouais, mais y a pas grand chose, hein. Alors que lui, c'est le. Non, j'ai pas eu ça. Lui, c'est le shérif ou c'est le maire déjà? Le shérif, pardon, le chef de la police. Ça, ce sont des pas d'enfants. Non, j'ai pas pris mon jus de citron, j'en ai plus. Ah! Wait. Let me go. Easy, easy there. I'm not a zombie. You're safe now. C'est le maire ou le shérif? Vous êtes deux à me donner des infos contradictoires. Faut savoir. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant. Near the city limits. The chemical plant? Then what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right. Le mérif, ouais. It's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is. Ouais, c'est une vraie rejouabilité, moi. C'est hyper bien, parce qu'on s'y attendait pas. Vu qu'on avait joué au 1, on s'attendait vraiment pas à... C'est le gros cri du monstre pas content. Non, lol, ça veut pas juste ça, quoi. Nothing. Ah, j'ai peut-être un feu à faire ici. J'ai pas le briquet. Ça fait rien, je crois, mais... Merde. Alors, ouais, mais il y a une cinématique qui va faire avancer l'histoire. Voilà, un truc qui brille. Ah, dit shérif. Ok. Ah, une clé. C'était bien ça. La clé cœur. Youpi. Ah, 19 piges, je vais pas une adulte, ouais. C'est vrai qu'elle est jeune. Carrément, le tyran sang, pré-némésis, c'est vraiment effrayant. Ça fait partie justement de la persécution. On est traqué parce que il est quand même assez puissant, ce monstre. Bon, dès qu'on a les armes, ça va, quoi. Mais... Ça fait partie de ce qui met de la pression, quoi. Ouais.
Là, c'est ça. On dirait des zombies qui vont... Ah non, c'est carreau la bourgeoisie. Cœur, c'est... Par contre, entre cœur et pique, je dirais que pique, c'est la noblesse. Non, cœur, c'est... Cœur, c'est le clergé. Ouais, parce que pique, c'est les armes, c'est l'épée. Donc c'est la noblesse, donc c'est ça. Donc cœur, c'est le clergé. Donc c'est la clé de la foi. Ouais, ben... Ok. Merde. Ok. Ah, oh, merde. Putain, mais... Ah, c'est exigu ici, dis donc. C'est vachement exigu, je me rappelle pas ça. Je vais devoir tirer une cartouche de ce truc là. J'ai plus assez de recul maintenant. C'est un peu con ça. Non, je peux y arriver avec ça. Voilà. On va y arriver, ouais, mais. J'arrive pas à voir. Il a l'air un petit peu plus puissant ce flingue quand même. Un peu. Il a l'air de... Bon. Bon. C'est pas terrible, c'est normalement ces grenades-là contre ce genre de zombies, mais... Ouais, bah je suis obligé d'y aller avec ça, les boules. Là, c'est la trèfle, là, mais je l'ai pas. Ok. Ah ouais, c'est sûr ça? Est-ce que Kickerdime peut me confirmer ça? Moi j'ai l'impression qu'il est un chouïa plus puissant, mais de l'ordre de genre 10-15%. C'est que la cadence qui change? J'ai vraiment l'impression qu'il est plus... Putain, mais c'est pas vrai, on se calme, la merde! Ah, ce serait logique, j'espère qu'il tire plus fort, il a un petit chargeur à la con. Ok. Salut, salut à ceux qui arrivent. Scénar B. J'allais utiliser une expression, mais c'est vrai qu'elle est déposée maintenant cette expression. On peut pas dire en mode relax, sans payer des droits d'auteur. Mais c'est pas vrai! Ah non, mais lol, mais pousse-toi, vilain!
Ah, il faut le card. Bon, celui-là, je suis obligé de le buter. Bah là, ouais, je suis parti. Je me servirai jamais du bazooka. Hein. C'est juste que là, c'est la folie, quoi. J'ai plus de... J'ai plus de... Ok. Non, je peux pas y aller pour l'instant. J'aurais un... Putain, la vache, je vais être obligé d'utiliser des grosses balles de ouf pour tuer un zombie à de base, quoi. C'est pas bien parti, là. Alors après, je peux ouvrir cette porte là-bas, mais qui est vraisemblablement qui s'ouvre avec, du coup, la porte... de trèfle. Donc du coup, il faut que j'aille de l'autre côté. Là, donc il faut que je traverse... Un rideau de zombies. Rideau de zombies, esquive. Regardez cette esquive, elle est magnifique. Mes premières esquives. Deuxième esquive. Troisième esquive. Ah putain, et merde. Bon, j'ai de l'énergie en rab. Les munitions, par contre, j'en ai pas en rab. Les clébards, je vais pas pouvoir les buter, sort de question que j'utilise des grenades là-dessus. Allez, go go, mais est sérieux? Putain, la loading zone permissive, là, j'ai... Ça fait chier, quoi, je me suis fait mordre. Ah, putain, on est en cochon, mais tellement rapidement dans ce jeu. C'est pas possible. Ils sont sympas. C'est trop gros pour un adulte. C'est trop petit pour un adulte. Ok, ils sont chics. Ah, mais y a pas de soucis de munitions là. Y a pas de soucis là techniquement. Attends, mais là, avec les cœurs, je l'ai jeté, j'en ai plus, donc normalement... Il y a une carte à choper, là. Me semble... Ah, ou alors faut choper... Putain... juste une question, parce que j'ai pas dire son nez. Est-ce que le briquet sert... Est-ce que je peux m'en servir dans la cheminée, là où j'ai découvert la petite fille? Si quelqu'un pourrait me répondre. A priori, non, mais... Non, le rebursage 2, je vais pas le faire, c'est la direction artistique qui m'intéresse. Bon, c'est une plus-value. C'est quelqu'un qui l'a pas fait, autant le faire en HD, mais... Je vais pas le refaire pour ça. J'ai déjà fait deux fois. Oui, mais le lance-roquette infini, je ne m'en servirai pas. Je ne m'en servirai pas. La Eagle Stone, mais... Y'a pas un indice, non. On va regarder un indice, faut pas vite checker. Bon, ok, pas d'indice quoi. Pas d'indice. Et c'est pas là. Manger un petit peu d'énergie au cas où. C'est un petit peu plus compliqué. Petite sauvegarde. Franchement, je serais pas retourné à la salle coffre, le truc de ouf. Je me rappelais plus que c'était une cinématique. À un moment, je vais devoir m'absenter. Je vais faire une petite pause peut-être d'une heure.
Non, je rigole. Je vais faire une pause de 2 minutes pour aller chercher un verre d'eau. Où est-ce qu'il arrive encore? Wait, Sherry, don't go alone. Sherry, Sherry. Mais non, t'as bien agi. Il faut s'entraider. Et ah oui, en plus, bah forcément, elle peut pas servir d'une arme. C'est une enfant, c'est logique. Salut, salut à ceux qui arrivent. Mal. La blagounette, quoi. Ah, c'est la même énigme. Ho, 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 ho. Ah oui, c'est vrai que là, on avait parlé de cette fameuse séquence, vu que c'est une enfant, et pour que ce soit réaliste, le gameplay est très mou, donc elle a du mal à sauter, elle a pas de force, etc. Putain, le truc de malade. Tu m'étonnes qu'en speedrun, ils prennent Léon rien que pour ça. Ah, elle peut pas pousser une caisse. Ah bah en même temps... Si. Ah si, elle en chie. Non, chie, je fais n'importe quoi. Là, je fais pas la fast strat, là, putain. Allez, sérieux, go! Mais c'est pas vrai, misère. Le pixel. Le pixel. Et voilà, petit pixel. Hop. Et la bu. Oh, elle s'y reprend 2 fois, quoi. Le truc de fou. Bah carrément. Bon. Mais bientôt ça va être beaucoup plus facile. Justement, je vais avoir les choses que je n'ai pas prises lors du premier speedrun. C'est-à-dire le sac à dos et la mitraillette. Comme ça, ça va être cool, parce que là, je suis un petit peu just, niveau balle. Je sais plus ce qu'il y a là-bas, par contre. Je sais plus vraiment ce qu'il y a là-bas, on va regarder ça. Ah si, il y a quand même un truc. J'ai cru qu'il y avait rien. Attends, le col ferait un poil plus de dégâts. 2 sur 6 de dégâts pour le pistolet. 2,5 sur 6 pour le col. Bah c'est bien ce que je ressentais. Enfin, dans mon ressenti, c'était 1 ou 2 balles. Donc c'est un chouïa. Ouais, moi, je sursaute facilement. C'est pour ça que j'adore jouer à ces jeux. C'est parce que j'aime avoir peur.
Enfin, c'est surtout, même si c'est du scare jump, enfin, c'est en gros, c'est tout ce que c'est du sursaut. Comment, voilà plutôt. C'est du sursaut, c'est pas vraiment de la peur, c'est pas oppressant comme un Silent Hill 2, mais c'est vrai que t'as. Quoi qu'encore ado, il y a des moments quand même, on est quand même oppressé. Mais après, je sais pas si. L'impression que j'aurais eu en jouant un Silent Hill 2 à l'époque, il y a globalement une ambiance plus glauque. Il y a des moments, des gros coups de stress par contre dans un Resident quand même. Thanks, sweetie. Now, why don't you come over here? I want you to stay with me. Claire! I can't reach the ventilation hole anymore. But don't worry, I'll find another way. I can take care of myself. Wait, Sherry, come back. Sherry! Sherry! Ah, et là, ça va être cassé. Amnesia Dark Descent, j'y ai joué, j'ai fait le début, ça avait l'air vraiment très très bien. J'attendais qu'on le présente dans Speed Game pour le terminer, enfin j'ai fait quoi, 10 minutes. Oh, ils sont sympas. Donc voilà. Tu veux les ramasser les machins? Mais sérieux? Ok, nickel. Alors, je vais faire un tout petit truc. Je fais une pause de 30 secondes, que je m'aperçois. Je vais juste faire une petite chose. Ça va couper le son 30 secondes, sauf ma voix. Mais je m'aperçois que j'ai une petite bordure sous le chat et je trouve ça inadmissible. Je vais vous l'agrandir un peu. Je m'aperçois que je peux le faire. J'avais pas tout à fait. Bon, là j'ai agrandi un chouïa trop, on va dire. Mais je m'aperçois que j'aurais pu vous le mettre un tout petit peu plus grand. Comme ça, pas de bordure noire, c'est un chouïa plus grand pour vous et plus agréable, c'est plus propre. J'avais pas fait gaffe, j'avais laissé une bordure noire, parce que je comprends pas déjà, à la base j'ai fait un... Bon, j'avais fait un habillage 4 tiers. Mais bon. C'est un peu plus propre comme ça. Alors... Ok, let's go. Ouais, je vais retourner la vite fait, juste... Excusez-moi pour cette petite interruption. Mais je pense que du coup, vous voyez le jeu un petit peu mieux. Enfin, un petit peu plus grand, du coup, ça déborde un peu sur le chat, mais... C'est un petit peu plus grand, du coup. Vous allez en prendre plein les yeux. Alors, ouais, j'ai plus vraiment... Ah, faut que je vide le flingue aussi. Moi, si j'ai des bois, non, ça c'est pas mal. Ben, j'essaie de faire attention à ça, moi je sais que je vais pas... Si je stream, j'essaie d'avoir un minimum de mise en scène. Après, il y a encore, c'est perfectible, hein, c'est-à-dire que ça fait seulement 3 semaines, donc je fais plein d'erreurs, forcément. Mais je l'avais pas vu, en fait, cette bande, à cause du fait que je comprends pas, j'ai capté le jeu, c'est du 4 tiers, et il est tout petit.